Je suis le père. Je suis le père approximatif. Je n'ai fait ni carrière, ni fortune. Et je ne me repens pas. De mon temps, quand on se mariait, on recevait 1 kilo de sucre et un bac à ressort. Un point, c'est tout. Ma première rencontre avec le théâtre de la Balsamine, avec Martine Wecker, c'est en 1985, où j'ai réalisé des accessoires et des éléments scénographiques. Dans une mise en scène de Martine, dont je ne me souviens plus le titre d'ailleurs. Voilà, donc nous travaillons dans la caserne désaffectée, dans les bâtiments insalubres, sans chauffage, sans électricité, donc c'était un peu, enfin sans lumière surtout, c'était très archaïque, mais c'est bien pour se former au métier. Par la suite, j'ai travaillé sur la création des Rois, une adaptation de Shakespeare qu'elle avait fait en 1998. Dans le cadre du Kunsten Festival et du Festival d'Avignon, où là j'ai réalisé la machinerie et certains éléments de décor pour ce spectacle. Et puis j'ai participé aussi à l'élaboration de la nouvelle Balsamine en 1999, où à partir d'un muret, j'ai réalisé le bar que vous connaissez maintenant, quoi, sur lequel on peut boire des bières par exemple. Alors, un souvenir inoubliable dans ma carrière de régisseur, c'est donc en 1998 sur le spectacle Les Rois. La création s'est pas trop mal passée ici au Cricolard dans le cadre du Kunsten Festival. Et puis après, nous sommes allés en Avignon. Et donc là, gros stress, la machinerie n'était pas au point, j'arrivais pas à la remonter correctement. Et le jour de la première, devant tous les huiles, on va dire, toute ma machinerie, à un moment donné, dans le spectacle, s'est coincée. Et donc on est obligé d'arrêter le spectacle, donc d'annoncer aux spectateurs qu'on avait un gros problème technique, qu'ils pouvaient sortir de la salle ou rester selon leur convenance, quoi. Donc je me suis démené pendant 40 minutes pour décoincer tout le système de rideau, qui était un double système de rideau. Je crois que j'ai perdu peut-être 3 kilos sur l'heure. Voilà. Donc après, au salut, comme j'étais à vue, tous les mouvements que je faisais, j'étais à vue, donc j'allais saluer. J'ai eu un succès dingue, quoi. Pour moi, la Balsamine, c'est la famille, c'est l'ouverture d'esprit, c'est pas de sectarisme. On parle ensemble, on mange ensemble, on rit ensemble. Cellule administrative, cellule artistique, la technique. On est vraiment tous à la même enseigne, je veux dire. Et ça fait un bien fou de se sentir aussi important que n'importe qui et aussi désimportant que n'importe qui. Et ça, c'est vraiment pour moi l'éthique de la Balsamine et il faut absolument garder ça. Thank you.